Sans surprise, le oui à l'indépendance l'emporterait dans la région de Donetsk en Ukraine. C'est du moins ce qu'affirme le chef de la commission électorale mise en place par les rebelles dans cette région de l'est du pays. Selon ce dernier, le oui obtiendrait un peu plus de 89% et le non 10%. Nous comprenons très bien que personne ne le reconnaîtra au niveau international et au niveau européen, mais nous tenions à nous faire entendre et c'est pourquoi nous avons organisé ce référendum afin que le peuple s'exprime. Les insurgés pro-russes ont revendiqué leur victoire, mais ce référendum a été dénoncé comme illégal par les autorités de Kiev et les Occidentaux, un soi-disant vote dont le résultat n'est pas reconnu par l'Union européenne, a répété dès hier soir la porte-parole de la chef de la diplomatie des 28. Ce vote a été marqué par des incidents à Krasno-Armetsk. Des tirs auraient fait un mort et un blessé alors que se déroulait une manifestation en faveur des opérations de vote. Une autre source citée par l'agence espagnole EFE parle de deux morts.